on est parti, enfin. Elle était temps. Morty, il s'est totalement vidé là. Il va être en forme. Il va nous proposer. Oh là 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 là. Allez, on est parti avec. Dans le tournoi pour l'instant. On va voir s'ils vont en perdre une contre les pingouins. Tac, il a mis le premier hit, il tombe. Non, c'est Morty qui tombe. Par SPK. SPK qui fait le kill sur Torbi. Il ne reste plus que Ty. Ty qui se retrouve en 1v1 avec 2 points d'armure. Elle a décalé au niveau du pôle. Et le kill qui est fait. Allez, KFR, un des gros joueurs. Des très très gros joueurs. On rappelle. Je l'avais dit que Morty était libéré. Et là, deux attaques. OP. Jester qui tente à lancer un move, qui n'a pas réussi. La décale en pré-shot au niveau du pôle, qui ne passera pas. Et on va aller. Oh, sur Morty à 47 cm, c'est dommage. La décale au niveau de la GA qui ne passe toujours pas. Bon, les roquettes qui passent pas loin. Le coup de réel non plus, Torbi qui va peut-être se faire avoir. Oh, Morty! Qui est pas passé loin de la correctionnelle. Ty qui est tombé comme une cacahuète. Ty qui se fait pas supprimer. Morty qui va revenir dans le dos normalement. Non, il est encore au niveau de la hauteur. Ty qui remonte, qui tombe. Torbi qui va être obligé de revenir aussi. Torbi est trop loin là. Le coup de réel que loupé. Torbi qui vient au contact, qui met la première roquette. Et là, il remonte. Morty qui vient l'aider. Ils se sont pas compris les deux frères. Morty qui tombe. Torbi qui se retrouve tout seul. Le coup de réel qui est loupé. Le premier de la part de Torbi. Là, et le hit de la part de Torbi pour finir. Ça va. Si on a attendu pour des rounds comme ça, moi ça me va. Hein, totalement. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Mais moi ça me va largement. Torbi qui attaque, ben il s'est déjà fait défoncer la tronche. Double hit de la part de Platernity. Allez, la décale. Il voit perdre. Allez, les pré-shot. Oh, le kill sur Jester. Très bien joué de la part de Torbi. Et le petit wall jump. Le pré-shot à 20 cm, ça passe pas. SPK qui essaie de mettre des pré-shot. Oh, le kill. J'avais tellement vu à 32 cm, c'est dommage pour le joueur portugais. Elle coûterait elle qui passe pas non plus. Platernity au niveau de 7 GA, le petit wall jump. Oh là là, il passe pas loin à chaque fois. Oh là là, SPK qui tombe. Il va plus s'en occuper, il va s'occuper de Platernity. Comment ça cape le pôle, mais il est stoppé à son tour. Deux partout. Platernity qui part à l'attaque pour les Katrina. On va voir comment ça va se passer. Deux partout entre les deux équipes. On est parti vite sur les deux premiers rounds. On va voir si ça va continuer maintenant. Allez, Platernity qui fait une décale en pré-shot. Ça passe pas. Il va aller chercher une décale encore une fois sur Torbi. Le coup de raid est miss. Le décale en pré-shot sur Morty.
qui ne passe pas. Et Torbi qui va être pris à partie. Oh le move. Oh c'est bien fait. Oh là là, Torbi qui s'est fait totalement avoir. Très très bien joué de la part de Platernity. Allez, la défense qui est en train de se replacer. La décale en pré-shot. Ouh, le coup de relève à 22 cm de taille. Et oh là là, Marty qui joue un peu avec le feu là en décalant trop sur les côtés. Au final, le flick shot qui passe sur taille. Il reste plus que 4 secondes. Il doit y aller. Il prend. Oh, il est sérieux. Oh my god, le coup de rail qu'il vient de mettre. Oh, normal. Normal, 2 flick shots à la suite. Pépère. Allez, taille qui part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour les pingouins. S'ils vont recoller directement au score comme tout à l'heure. Taille qui part à l'attaque. Il va chercher la décale sur Jester. Le cancel rocket. Le défenseur qui se remet plus là. Jester qui s'y remet finalement. Le coup de rail qui passe à 32 cm. La décale au niveau du pôle. L'SPK qui s'est caché. Platernity au niveau de la joie qui met la première roquette. Le kill qui est fait sur Platernity. La décale qui passe. Et Tai qui décide de passer par le spawn défense. Il repasse à gauche pour revenir à droite. Et au final il revient à gauche. Il se fait bumper. Le coup de rail qui est loupé. La décale, le pré-shot peut-être. Non, c'est moi qui... Il y a un joueur qui a planté. Pause après l'attaque. Là, ah, c'est dommage pour les KFR. Jester qui plante en plein milieu du round. Et quand un joueur plante, ça donne 320 de snapshot. Et c'est très très dur pour un attaquant comme pour un défenseur pour le tuer. Et 8 cm là, le miss. Dommage. Et le cancel rocket, il revient vers la gauche. Et 3 partout. Hein. 4 attaques déjà. C'est bien parti comme match. Allez, SPK qui va essayer d'attraper Morty. Le coup de rail à 43 cm encore une fois. Et le taille qui se fait pas avoir. Le cancel roquette. Juste au bon moment. Le coup de rail qui passe à 39 cm. La première roquette de la part de Morty. Et gauche droite. Le petit bam de la part de Morty qui finit par mettre les deux derniers. Jester qui a eu un black screen. Un écran noir et il comprend pas pourquoi. Et donc il n'y a pas de pause, c'est live. Problème. Morty qui part à l'attaque maintenant pour les pingouins. Et la décale sur Jester justement qui va être tentée. Non, c'était bien essayé, mais ça passe pas. La décale au niveau de la GA. On a vu un petit bout de crâne tout à l'heure, il l'avait attrapé le Platernity par le spawn défense. Là il prend les... Oh, attention, la décale sur SPK, il a pris une roquette, mais c'est pas grave, il prend un kill 1 pour 1. C'est toujours mieux bon. Et le petit wall jump, la décale qui passe pas. On revient au niveau du middle. Ah, il s'est loupé un peu dans le move, il est tombé un peu trop tôt. Le coup de rail au niveau du bol à 1 cm, c'est dommage. Le hit de la part de Jester, le 1v2 avec un point d'armure. Le kill qui est pas fini. Ah, il commence à cap et ça passe. Oh my god, il cap le pole avec un point d'armure. Ils se sont totalement loupés les défenseurs là. Un petit pole dance de la part de Morty. Très très bien joué. Les pingouins qui prennent pour la première fois l'avantage dans cette map, dans cette première map. Et Jester qui part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Oh, Morty, il a failli être puni là. Il aurait fait une seconde plus tôt, c'était pas la même chose. Et Jester qui va décaler la GA. Le kill qui est fait directement sur Taille. Morty qui vient à la place de Taille. Oh là là, la tête de Torbi qui a arraché. Morty qui prend la place. Oh, là, sa place au niveau du poteau. Le coup de rail qui passe à côté. Il doit mettre des hits, il doit en mettre maintenant.
Minimum 1, il n'en mettra pas, il prend, il en met un, allez peut-être encore, il a utilisé pas mal de roquettes, Jester, qui nous fait un petit 360, on peut dire, en mettant le coup de rail 5 à 4 pour les pingouins. Allez Morty qui part, Morty, tant pis, c'est pareil. Pour lui changer des lettres. Allez, Torbi qui part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer. Allez, il décide d'aller vers la GA. Platinity qui se fait pas avoir. Le petit bumper. Jester, le courrel qui le voit passer à 12 cm de lui. Allez, Torbi qui essaye de prendre la DK. Le courrel qui passe à côté. On va essayer d'aller au niveau de la GA. La tête qui est attrapée là. De la part de Torbi sur Platernity, le AV de maintenant avec 3 points d'armure pour le jeune joueur portugais. Et la DK, le coup de rail qui passe à côté, il dodge bien quand même. Oh, le coup de rail qui est loupé là, il aurait pas dû. Il prend un bum qui l'envoie sur le pod. Et Jester qui l'a lu, au moins il met 33 hits. Très très bien joué de la part de Jester. Torbi, pas très efficace sur les kills, un peu plus facile quand même. Il a mis un gros coup de rail sur Platernity et après ça s'est beaucoup moins bien déroulé. Et Platinity qui part à l'attaque maintenant pour les KFR. Allez, il va chercher la décale. Le coup de rail qui passe à 12 cm. Est-ce qu'il va nous mettre des... Est-ce qu'il va nous faire rêver comme tout à l'heure le Platinity? Tout à l'heure il nous a mis des très beaux coups de rail. Allez, il attend la décale. Au final, il fait semblant d'y aller, il a vu un truc à gauche. Et il passe dans la porte, au final il n'y a personne. Il prend une, deux et trois roquettes. 6 à 5 pour les... pour les pingouins. Allez, Tai qui part à l'attaque pour les pingouins. Et qui s'avance tranquillement. La décale, non, le coup de rail qui ne passe pas au final. Ouh, ça passe pas loin là le coup de rail. La roquette qui touche. SPK qui met la première touche sur Tai. Tai qui décide de repiquer au niveau du middle dans la pente. Est-ce qu'il va aller chercher la décale directement au niveau du petit pylône? C'est fait au niveau de la petite tour. La tour, la carotte, comme vous voulez. SPK et Platernity au niveau piqué. Il n'y a plus beaucoup de time là pour Tai. Il le sait, il prend la deuxième et c'est mort pour lui. Et il prend le dernier par Jester. Encore une fois, Jester très présent déjà à... Allez, SPK qui décide de passer directement à droite. Il va peut-être surprendre le coup de rail qui passe pas sur Torbi. Sur Morty, je voulais dire. Et il va chercher la décale, peut-être sur Torbi qui est au niveau du spawn. Oui, il esquive la roquette. Ah, pas grand-chose. Et il décide de partir au niveau de la GA. Le coup de rail qui passe à côté. 1, 2 hits, l'agression de la part des pingouins et c'est fini pour l'attaquant. Morty qui attaque maintenant pour les pingouins. Pingouins sauvages. Eh hey, Morty. Elle avance tranquillement au niveau de la droite. Deux défenseurs de derrière le pôle. Jester qui a bien anticipé, qui a mis un petit peu une roquette pour s'écarter. Ça c'est. Oh, les roquettes qui passent bien dans le dos là. Ah, il aurait peut-être pu reprendre le grappe. Ben, look.
pour revenir. Allez. Morty. Oh là là. Fais gaffe. Hein. Et la touche qui est fait. De la part de Platernity, 7 partout. Oh bordel, les SS. Pour commencer. Eh, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé. Allez, Jester qui part à l'attaque pour les KFR. On va voir comment ça va se passer pour lui. Et Jester qui... Oh, Dorby, il a failli se faire punir là. Vraiment dommage. Et le coup de rail sur Dorby qui ne passera pas. Le petit wall jump pour attraper Morty, c'est dommage. Et il préfère repartir de l'autre côté. Oh, il les rend fou. Il rend la défense complètement ouf. Au final, Tai qui mène tous. Le coup de rail qui passe pas. 28 cm. Tai qui va être pris à partie maintenant au niveau de la GA. Le kill qui est fait sur Tai. Le 1v2 maintenant. Morty Torbi. Morty qui tombe. Gilder. Jester. On fire. Va-t-il conclure son round. Et comment ça capte le pol. Et non, Torbi est là pour le protéger. Ah là là. Torbi. Et présent. 8 à 7. Balle de map pour... Ok. Ok, klaxon. Ouais. 8 à 7. Balle de map pour les pingouins. On le rappelle, hein, c'est un BO5. La Crazy Cup 2. 90€ pour le premier. 3 maps à mettre. Et là, on est à 0-0 au niveau des maps. Peut-être la première maintenant. Si Torbi arrive à mettre l'attaque, il l'a pas encore mise. Alors la décale sur SPK, le kill qui est fait, il était complètement hors de position. Platernity qui met directement une roquette pour essayer de rétablir un peu les choses, on va dire. Platernity qui est revenu, qui est toujours au niveau de l'achat, c'est pas bon ça. Il le sait, le coup de rail qui passe à côté. Platernity qui en profite pour revenir. La décale en préchette au niveau du mur qui ne passe pas. Et le kill au niveau de la carotte non plus. La roquette qui touche et la deuxième. 8 à 8, les KFR qui doivent mettre une attaque et après défendre pour gagner, alors que les pingouins doivent mettre une attaque simplement après avoir réussi leur défense. Platernity qui part à l'attaque maintenant pour les joueurs de KFR. On le rappelle, hein, Platernity est un last de cette équipe, pas le joueur officiel. Il remplace le ciné, si je ne me trompe pas. Allez, il avance tranquillement. Il a vu un joueur au niveau du spawn. Oh, le réflexe au niveau de la hauteur, c'est dommage là, c'est pas passé loin. Il prend le bumper directement, il cherche après le joueur qui est au niveau de la carotte. Le coup de rail qui passe pas. La décale au niveau de la GA, le kill qui est fait sur taille. La roquette qui touche de la part de Morty, le 1v2. Voilà, deuxième touche de la part de Morty, il bump en plus. Oh là là, les roquettes qui passent pas très loin. Il faut faire un kill maintenant. Oh ben au final, ouais, il y a eu un kill, mais pas du bon côté. Morty qui met la dernière roquette. 8 à 9. 8 à 9. Alors, Tai qui part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Alors il passe directement vers la gauche. Oh, le kill sur Platernity, très bien joué. Peut-être le dernier round là, si le joueur allemand des pingouins arrive à mettre son attaque. Et la décale. Oh, il prend une belle roquette de la part de SPK. Il finit de décaler par la gauche. Voilà, deuxième roquette de la part de SPK. Des beaux pré-shots, hein, à chaque fois une roquette. Vous savez exactement où elle est allée, le joueur. Tai qui en 1, il va faire le petit wall jump. Non, le coup de rail qui ne passera pas. Oh là là, c'est dommage là. Sur SPK. Il y a des cales au niveau du pôle. Le kill qui passe pas. Et la mort. Par Jester. 9 à 9. 9 à 9. SPK qui part à l'attaque. Est-ce qu'il va mettre son attaque? Et en finale, c'est limite 15 aussi. En attaque.
Hein? J'ai pas compris. Ah, il est pour sur TS, mais il est pas bon. Ok. Et. Merci. Ouais, normalement, ce serait 2015 aussi en finale. SPK qui a essayé de les brain en utilisant le grappin, mais ça n'a pas marché. Ouais, je vais s'en douter qu'il allait revenir là, c'est dommage, il a pas pris la ligne. Ah, il va essayer de le décaler peut-être. Non, on la décale. Oh, c'est dommage, il l'a vu trop tard que Morty était très très mal placé. Torbi qui essaie de revenir, Torbi qui revient, qui met un peu la pression. Morty qui se peut pas avoir. SPK qui loupe un peu ses coups de rail là, c'est dommage. Le premier, le deuxième, le hit de la part de Tai. Et le dernier de la part de Morty qui court dessus. Allez, on est parti maintenant avec Morty à l'attaque pour les pingouins. Morty qui... Oh là là, qui élimine directement Jester. Il repasse au niveau du middle, il va vers la GA. Le petit wall jump. Morty qui va essayer d'attraper le défenseur au niveau de la GA. Au final, il l'a pas, il attrape seulement une roquette, la roquette de SPK. Le 1v2 avec deux points d'armure pour Morty. Morty qui s'avance vers le pôle, il ouvre son coup de raid, il prend une roquette, il arrive à sortir. Mais SPK lui met la dernière 10 partout. Ne pas finir. Allez, comment qui se fait bon lance. Jester, DKFR qui part à l'attaque. Alors, comment ça va se passer? Le coup de raid qui passe à côté, à 13 cm. Petit wall jump. La touche qui passe. Oh là là, c'est tendu. C'est le bordel, Morty qui finit par tomber, mais il a pris deux touches là, Jester de la part de Morty de taille. Le 1v2 avec un poids d'armure. Et le... la petite... avancée, il commence à cap le pole et ça passe. Oh my god. Il a fait la même que Morty tout à l'heure. Il a pris la roquette à la fin de la cape. Et ça a tordu d'attaquer le... Allez, là, les décals qui sont en train d'être cherchés. Un coup de raid au niveau de la GA qui passe pas pour Torbi. Enfin, attention derrière lui car il a entendu du bruit. Oh, attention, Jester qui se fait éliminer. Bon, les deux roquettes bien esquives de la part de Torbi. 15 cm au niveau de la GA. SPK qui décale, qui met une roquette. SPK qui ne se fait pas avoir. Il commence à cap Torbi, ça passe aussi. T'as fuck. Finissez ce match. Puis moi. Bah le fait quoi. Allez, Platernity qui part à l'attaque pour les pingouins. Pour les pingouins. Pour les KFR. Le mal est en moi. J'en peux plus. Allez, cancel Rocket. La décale, normalement sur Morty qui devrait pas tarder. Alors, voilà, c'est un peu loupé. Alors sur Torbi, non, sur Morty quand même. C'était tenté là, je suis pas sûr qui c'était. Pour Morty ou pour Tai. Torbi est pris à partie, mais qui se fait pas avoir. Retour, non, toujours pas. Pas de hit. Allez, on va chercher la décale au niveau de cette GA. Morty peut-être, non. Se fait pas avoir non plus. Torbi qui est revenu, il est au niveau de la pente, il met une roquette. Torbi est en train de reculer. Lol, il a pris le grimpage sans faire exprès. Morty qui finira par mettre 3 hits. 12 à 11.
pour les Pingouins. Ce match va pas en finir. Hein. Voilà. Un petit moment que la map dure. Hein. Allez, Tai qui part à l'attaque. Le coudre, il a 2 cm. Oh, bah alors il passe dedans, Dexter. Il l'avait eu près, maintenant il l'a vu dedans. SPK qui est encore derrière là-bas. Qui fait attention, hein, c'est le joueur le plus fragile hein, maintenant. Allez, il va aller chercher le coup de raid qui est pas pris. Platinétique, savoir. SPK qui a essayé de faire une strat, de revenir dans le dos. SPK qui a mis une douce, le 1v1 maintenant, 2 points d'armure pour Tai Tai qui prend les doubles hits. Très très bien joué de la part de SPK qui a fait le run qu'il fallait. Ben parce qu'il y a des streams et c'est fait pour ça. Tout simplement. Allez, SPK qui part à l'attaque. Match plutôt. Yo Kaiju. Allez SPK, voilà, qui prend un premier roquet de la part de Morty. Il s'est agressé un peu, c'est peut-être l'erreur là des pingouins. Tai qui met un hit. SPK, oh, attention, ça commence à cap le pal, il le cap. Oh my god. Oh putain. Comme une prod, c'est toi qui as un bug alors. Hein. Tu as l'air en 720p plus. Ça fait... Ah. Ah ça on peut rien faire. T'es chez Free. Morty qui attaque. Oh, il prend directement double hit, ça va être très dur pour lui. Et la décale, peut-être sur Jester, non ça passe pas. Et la première map enfin par les KFR. ...14 à 12, une bonne première map hein. Ça promet. Ouais, comme prod, si t'es chez Free bride l'accès à Twitch, etc. Alors, c'est un peu ça. Lol. Merci, comme prod. Si t'es chez Twitch, y a un VPN communautaire qui a été fait. Je comprends pas tout. Allez. Et thank you.
Si vous avez des questions, allez, un petit coup de pub. Allez, n'hésitez pas à suivre le Facebook et le Twitch de Crazy User. Normalement, il y a Joe Caillou qui va le dropper dans 5 secondes environ. N'hésitez pas, comme ça vous saurez quand il y aura des lives, etc. Après, on va remercier bien éventuellement Winawa et Engine Server Draconia pour leur serveur. Le Facebook là, je fais la pub. Oh là là, je suis déçu. Après, je remercie Crusader TV, bah c'est moi. Je les remercie de me laisser stream la cup. Rappel, le gagnant il repartira avec 90€. Et je vous remercie aussi de suivre ce match. Cette cup quoi. C'est là, depuis 13h on est là. On a des mecs en match là, pas très fut fut, des mecs qui font caca pendant une demi-heure. Il est gentil, Jokaou. Ah bah bien sûr. Crusader. Notre cup lundi. Allez, je fais un petit coup de pub aussi. Hein. L'enfer, qui dit ouais, moi je pars à la plage. Ouais. Il va stream du Quake. Bordel. Allons. Don't stress me out. Enfin, on est parti pour la deuxième map. La map qui est Rust. Les bleus défendent donc la map des pingouins. Morty qui passe à l'attaque. Alors une défense. Donc recul. Et le beau petit move là de Morty pour essayer d'attraper directement le joueur au niveau du top. Le coup de rail qui passe pas. Le deuxième coup de rail à la carte d'un centimètre. Oh c'est bien fait là sur Jester, le pré-shot qui passe directement. Il y a encore un joueur à sa droite, il l'a entendu. Ah, il était très mal placé, attention pas prendre des roquettes dans le QQ. Morty, il s'en sort bien, il prend aucune roquette. Là, il en prend une quand même, SPK. Qui en met une deuxième. Ah là là, c'était dommage, c'était tellement bien parti pour le joueur des pingouins. Au final, il s'en trouve plus très bien là. Et il va chercher le kill sur SPK, le coup de rail qui passe pas. Et la mort du joueur. Paul Tougay. 10 pingouins, 1-0 pour les KFR qui assurent le premier round. Allez, SPK qui part à l'attaque. Oh, ma voix, elle va mourir. C'est pas moi qui va mourir, c'est ma voix. En premier. Allez, SPK qui décide de passer par la gauche. La décale sur Morty qui est au niveau du rail. Une défense. Allez, on est parti maintenant avec Torbi à l'attaque pour les pingouins. On va voir s'il est habile comme un pingouin ou pas. Et il tente la décale sur le joueur au niveau du muret. Ça passe pas trop pour l'instant. Et la décale. Et le pré-shot qui passe pas. Paternity, belle roquette de la part de SPK, il s'en veut là, Torbi, on l'a vu. Il aurait jamais dû la prendre cette roquette, 24 cm le coup de rail. Allez, ça repart de l'autre côté, Torbi qui va chercher après SPK, Jester qui se fait éliminer, SPK
qui a toujours envie. Platernity qui revient dans le dos. Platernity qui est loupé 1 cm. Ah là là, le kill maintenant qui est fait sur SPK. Le 1v1 contre Platernity et le coup de rail qui part. La première map a été gagnée par les KFR. 14 à 12. Platernity à l'attaque, au milieu de mettre son attaque pour enlever directement celle du jeune Torbi qui vient de nous faire une très très belle attaque là. Allez, l'attaque, la défense avancée, belle roquette de la part de Torbi qui commence bien. Morty au niveau du pal qui loupe à pas grand chose à mon avis. Oh, le duel là, le clou de rail qui passe à côté, l'agression de la part de Tai, Tai qui met une autre touche et Tai qui met la dernière. 3 à 1 pour les pingouins, on voit que c'est leur map. Il part à l'attaque. Allez, il part au niveau de la gauche. La décale sur le joueur au niveau du top qui va venir dans quelques temps. Et la décale, il essaie de le brain. Platernity ne se fait pas avoir. Le coup de rail qui est loupé. Attention, roquette dans le dos. Non, Platernity qui n'arrive pas à les mettre. Le wall jump qui est loupé. Là, le petit wall jump l'a réussi, mais il ne trouve personne. Au bout, il n'a pas encore pris de hit, mais il reste plus que 10 secondes. Tai qui doit commencer à faire des frags. Et ça doit partir maintenant. Le coup de rail au loin loupé, c'est pas la bonne solution. Le premier hit de la part des Smekas. Le second coup de rail qui est mis. Il commence à cap le pole, mais non. Une touche de chaque joueur. Vous comptez faire des cups sur d'autres modes de jeu? Ah ça faut demander à Crazy, au Crazy User. C'est moi, je suis juste là pour commenter. Après, déjà le mode combo il est pas assez là depuis longtemps pour ça. Alors voilà. Hein? Ouais peut-être, ouais bah je le joue toi. Exact, exact. Et sinon il y a une cup élite lundi par Crusader. Je sais pas qui c'est. Mais... Allez, Jester qui part à l'attaque. Et il monte au top. En dessous de lui il y a Tai. Jester qui n'arrive pas à mettre son coup de rail. Et Tai qui met les deux Tai. Ah, one hour. Ah, peut-être. Allez, Morty qui passe directement au niveau de la hauteur. Il prend la première touche de la part de SPK. Le coup de rail qui n'a pas été tenté. À obstacle, je vois pas comment... Pas top, je crois. Faudrait voir. Morty... Un coup de raid qui passe pas et commenter du obstacle c'est pas facile. Morty qui a pris un deuxième hit de la part d'SPK. Morty qui fait tomber son adversaire. Un coup de raid qui passe juste en dessous des pieds de Jester. Et Morty. Et le deuxième kill de la part de Morty. Jester qui tombe et SPK qui finit. Moi aussi je pensais mais pas obstacle plutôt time trial. Ah ouais. Après obstacle voilà quoi, ça dépend. C'est après commenter de l'obstacle, voilà quoi. Eh voilà. Oh, mais Crusader, ils sont top hein. J'ai battu. Oh là là, Morty qui a perdu un truc au niveau du pad. Et le duel au niveau de la grille, SPK qui évite Torbi. Torbi qui tombe, il met une touche quand même au passage. Ah moi je suis un pro du time trial aussi. Mais chaud à commenter. Allez, bon, SPK qui fait le dernier kill sur Tai. Mais non mais après voilà quoi, tu regardes, c'est le mec qui galère, tu dis tatata, tu fais ça. Non mais du time trial j'en ai fait énormément. Mais abusé quoi, à un moment je passais que mon temps à ça. Au début ça s'appelait même pas comme ça, je sais même plus comment ça s'appelait au début.
9A marche. Hein, 9A. Ça marche, ok. Allez, Torbi qui attaque, 4 partout entre les deux équipes. On le coup de rail directement sur Jester. La décale sur SBK en pré-shot qui ne passera pas. Ouais. Total, coup de rail qui passe pas. C'est chaud. La décale non plus. Showtime. Total, les décales, les doubles de Rocket finalement, Platernity et double de SPK. Après, dans Junk Cup Time Attack, c'est voir les maps et voir si les gens seraient intéressés, quoi, tout simplement. C'est... Tout simplement. Allez, Platernity qui attaque. La décale sur Ty qui vient d'être faite. Morty. Attention, qui est tombé. Il est tombé de l'autre côté, il le sait. Platernity qui s'en occupe plus. Oh là là, Torbi qui se fait défoncer. Oh là là. Il est sérieux, Platernity. Il nous sort des rounds il y a des moments. Morty il était à ras du mur. Il a tué à ras du mur. Bordel. Et Tai qui part à l'attaque. Les KFR qui ont l'avantage. Maintenant d'une attaque, il va chercher directement après. Jester, Jester qui se fait pas avoir. Le cancel rocket. Oh, c'était bien tenté ça de la part de Tai. Mais ça n'est pas passé, il y a toujours le réflexe hein, de décaler au son du coup de rail. Oh, les rockets qui passent pas très loin. La décale, Jester qui se fait pas avoir. Tai qui va chercher la décale. Oh là là, le coup de rail magnifique de la part de Tai sur SPK. Jester qui met une roquette. Un V2 avec 2 points d'armure pour le joueur des pingouins. Attention. Le kill qui est fait sur Platernity. Et le kill maintenant sur Jester. Ça revient directement à égalité au niveau des attaques. Ça part très très vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, dans le style là, ça serait tous sur un serveur et ceux qui font le meilleur temps, paf, ils passent au truc suivant et ainsi de suite, quoi. Bon, voilà, ce sera plus tard. Le dernier est éliminé à chaque fois, puis c'est tout. Allez, Jester qui part à l'attaque. Le kill qui est fait, Morty qui revend directement, Torbi qui met une touche aussi. Morty qui est resté au niveau du pad, logique quand il n'y a plus qu'un point d'armure. Oh, le kill qui est loupé. Jester qui tombe. C'est partout. Eh, Morty qui part à l'attaque. Ça avance tranquillement vers la gauche. Et il va aller chercher la décale. Le coup de rail qui passe juste à côté. La roquette qui touche. La part des SPK, il tire encore une fois dans le mur. Platernity loupe c'est son coup de rail et le fait tomber. Morty. Morty qui cherche la décale. Oh, et le coup de rail qui passe pas, c'est dommage. Morty qui loupe à 4 cm, Platernity qui met la deuxième roquette et la troisième en prime. 7 à 6. On a un match. Attention. Allez, SPK qui tente la décale sur Morty en pré-shot, ça passe pas. La décale. Ouh, Morty qui se loupe. Torbi. Oh, il a pas tiré, il a planté. Oh, je sais pas, c'était bizarre. Le coup de rail à 29 cm, l'agression. Morty, Torbi qui met à l'été. Morty qui met le dernier.
Tic qui a tiré dans le bras de SPK, il me semble. Et les deux équipes veulent pas se départager. Tout à l'heure on a eu 14-12. Là je sens bien qu'on est bien parti pour la même. Et Torbi qui attaque, le coup de rail qui passe à côté. Il va aller chercher la décale encore une fois au même endroit. Ah oh, voilà, Dexter qui revenait un peu trop tôt, qui se fait avoir. Il a attendu Torbi, Platernity qui est en mode backup, qui va peut-être être prêt à partir. SPK qui se fait pas avoir. Platernity qui est revenu au niveau du pôle. Oh, Platernity qui tombe, il s'est écarté de trop loin. SPK qui met une roquette et qui ne mettra pas d'autre roquette. 8 à 7 pour les pingouins. Platernity au... La roquette qui touche. C'est tendu. La décale. Le coup de rail qui passe sur Morty. Oh là là. Le spam roquette qui passe aussi. Et le 9 à 7 pour les pingouins. Un partout. Bon. Jack, désolé de te dire ça. Hein. Et on est encore là pour longtemps. Je commence à avoir mal au crâne moi-même. Je sais pas pour vous, mais moi je commence à avoir mal la tête. Depuis 13h là, ça commence à être dur. Ma voix, j'essaye de l'utiliser. Alors, on va partir pour l'autre map. Ah nice, ça peut être sympa ça. Ah c'est pas trop intense, c'est surtout que ça a pris du retard. Et on a eu des matchs super longs. On a eu beaucoup de matchs vers les 14-15 rounds. Beaucoup de 2-1. Et c'est ça qui a fait vraiment tenir dans la longueur. Et c'est... voilà, c'est tout quoi. Des 2-1, des 3-1. Alors, quand on est tout seul, normalement j'aurais dû être avec mon comparse Skidlou. Mais petit problème de connexion pour lui, il est pas là. Alors, tout seul, je vous le dis, c'est dur. Allez, SPK qui part à l'attaque. La décale au niveau du top qui passe pas. On est... Allez, il va aller chercher la décale. Non. Du fake. Il essaye de l'avoir, mais ça marchera pas. Finalement, il fonce directement au niveau du pôle. La roquette qui touche. Le kill qui est fait directement. Le défenseur qui est en train de revenir. Morty qui est revenu au niveau du pôle. Et Torbi qui finit par mettre les deux derniers. Demain je vais être une... ce soir même, je vais être une larme. Ma voix, j'arrivais seul. Demain je vais arriver sur le vocal ou quoi, quand c'est ce qu'il lui donne, il va faire... Ah mais déjà arrivé. Et là c'est... Et la décale directement au niveau du spawn de la part de Morty. Morty qui se loupe, il se cache.
Il prend des hits, il va mourir. Voilà, la défense qui est en train d'arriver. Oui bébé, le petit gangbang dans le spawn. Ok, bon, c'est pas grave. Merci. Là, je me prends. Ah bah ouais. Ça commence à 13h. Il est 18h. 45, bah bientôt 19h. Ça va faire 6h. Allez, Jester qui prend de la hauteur. Ouh, la décale sur taille, il est pas passé loin. Morty non plus. Jester qui cherche la décale au niveau du joueur qui est au top. Le coup de raid qui passe, qui est pas tiré. Oh là là, Torbi! Au niveau de l'arche ou de l'escalier, comme vous le voulez. C'est chaud. Allez, le petit wall. Non, il va essayer d'attraper. Morty, Morty. Ah, il aurait pas dû tirer, attention. Et ça revient vite. Et après, directement, double hit de la part de Morty de taille. Et Morty qui lui met le dernier. Ouais, Joe Caillou, on va se calmer, hein. Ouais. Doucement. Doucement. Merde. J'ai fermé le jeu. Ça va, je l'ai juste. Hop, désolé. Allez, Torbi qui part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer. Il essaye de prendre de la hauteur, mais il y a eu froid trop. Il a pris le premier de la part de Jester. Le coup de rail qui passe pas. Et la touche de la part de Jester et Platinity qui met le dernier hit. Et deux parties. Mais quand même, moi je remercie surtout, c'est les courageux qui sont là depuis le début. Il a pu y avoir beaucoup, hein. Et là, je les remercie. Depuis 13h, il y en a qui sont là et qui regardent. Voilà. Allez, Platinity qui part à l'attaque pour les KFR, les Katrina. La décale qui est tentée sur le joueur au niveau du top, 40 cm, c'est rien du tout. Ah ouais, mais toi t'as joué, tu comptes pas. Et Platinity qui essaye de faire la diff, Morty qui arrive dans le dos. Morty qui se peut pas éliminer derrière la défense qui arrive comme des fous. Le kill sur Morty, le deuxième hit et le troisième de la part de la défense. Double hit de la part de Ty et de la part de Torbi. Ouais, mais toi c'est pareil, tu es là en tant que modérateur et administrateur. Ah, Jar, hein, parce que Jar est là, il s'occupe des platines, quoi. On va dire, de la régie. Merci à lui. Sans lui, rien n'aurait été possible pour ce stream. Allez, Ty qui va chercher la décale directement au niveau du spawn. Le kill qui est fait maintenant sur Jester. Le 1v2 avec 3 points d'armure pour Ty. Coup de rail qui passe pas. Voilà, deuxième roquette de la part de Platinity. C'est bien joué de la part de la défense des Katrina. Voilà, dernière roquette qui est pas passée loin. Oh là, il n'a pas réagi assez vite. SPK qui était complètement free. Le coup de rail qui passe pas encore sur Platinity. Et la dernière roquette qui touche. Go Jack. Ouais, ça va. Go Jack. Go Jack. Go Jack. C'est Kayen. Même pas vu ça. SPK qui perd l'attente et attaque. On veut réentendre ta voix. Je sais même pas si Jack est là en fait. Comme maintenant, voilà quoi, il a appuyé sur 0. Ah si, il est là. Ça bouge. Oui, je suis là. Ah, est-ce qu'on entend ta voix sur le stream? Non. Ah non, il veut pas, voilà. Il veut pas. Ah. Il veut pas. Ah, merci à toi, hein, parce que sinon, on aurait pas eu de stream. Allez, SPK qui se retrouve avec 3 points d'armure face à 3 joueurs encore. La décale au niveau du pôle, il commence à caper le pôle qui est pris, Morty, qui arrive carrément en retard avec 3 points d'armure, pépère, camembert, je cours, je prends le pôle et je m'en vais. Morty qui
avance tranquillement au niveau du top gauche. Et tombe dans l'eau, s'il te plaît. Pour moi, Morty. Oh, allez, 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 dans l'eau. Oh non, il va chercher après Jester au niveau du spawn. Le kill qui est fait, il prend quand même une roquette de la part de Jester. Morty qui n'arrive pas à avoir SPK. Et la décale, le coup de rail qui passe pas. Wall jump. Ta-ta-ta, ça va gauche. Le kill au niveau du pôle de la part de Platernity. La décale au pôle. On reste pas à voir le joueur des Katrina. Ah, ils ont changé leur place. Oh, 94%. Ah, depuis tout à l'heure, Morty il dit que SPK il y a trop de la chatte et là il en peut plus. Ah, il faut 2 secondes pour cap le pôle, y arriver juste après le 2 secondes. Et c'est pour ça qu'il a pas pu le cap. Quand on connaît bien le timing, il y a moyen. Et là, c'était vraiment le timing qu'il fallait. Hein. Allez, Jester qui cherche après les défenseurs. Il va essayer d'attraper le joueur qui est au niveau de l'arche. Non. Ah, Morty 13 cm. Dommage, le kill qui passe pas. Torbi qui met une roquette. Wouh, ok, qui est pas passé loin de la part de Ty. Torbi qui tombe, Ty qui descend et qui laisse tomber. Morty qui arrive dans le dos, qui met une roquette et Ty. Ah, c'est ça le logo des Katrina. J'ai même pas vu. Par contre, celui-là des pingouins, il est tellement stylé, je crois. Pingouin, quoi. Une phrase. Ouh, toutou, les roquettes qui passent pas loin de Torbi. Allez, ça va chercher le joueur dans le spawn. Oh là là, le coup de rail à 14 cm. Tombe dans l'eau, Torbi. S'il te plaît. Go on the water, please, bitch. Oh, grâce au bump. Il fait le kill sur Jester. Oh my god. SPK qui a offert son coéquipier. Ah, il arrive pas à monter, il y a personne qui arrive à cet endroit. Belle roquette de la part d'SPK maintenant. Le 1v2 avec un point d'armure pour Torbi. Ça va être très dur pour le jeune joueur portugais. Oh, il esquive bien les roquettes. Là, ils font dire le pôle. Et puis Platernity qui met la dernière. Et je sais plus ce que vous allez dire. Ah, pour info, hein, si vous ne le savez pas, Torbi est le frère de Morty. Et il a que 13 ans. Torbi a 13 ans. Bah, d'un côté, j'ai appris tout à l'heure qu'il y a un joueur sur SC2 qui était master à 11 ans. J'ai fait d'affuck. Allez, Platernity. Ok. Torbi s'est fait défoncer par son pote. Il s'est fait allumer le cul. T'as envie. J'ai fait. Chut. Allez dégage, me convoie un peu. Allez, Ty qui part à l'attaque. Oh, belle roquette là directement de Platernity sur Ty. Allez, Ty qui va chercher la décale sur Jester. Le coup de rail qui est loupé, il a l'agression normalement de la défense. Oh bah non, il s'est fait stopper par ses potes. Le coup de rail qui est loupé et la mort de Ty. 7 à 5. Les KFR toujours l'avantage d'une petite attaque. Est-ce qu'elle va rester jusqu'à la fin? Telle est la question. On part avec SPK maintenant. Dans ce match, ok. Dans ce match de cette map. Ah, je galère, c'est pas grave. C'est la fatigue. Allez, SPK. Là, je la décale. Un joueur au niveau du carré, la décale sur Torbi qui ne passe pas. Oh, le cancel roquel, puis le bon moment. Bien joué de la part d'SPK. Vous savez, prend pas le hit.
Beaucoup de spam roquette, deux défenseurs au niveau de la gauche. Morty qui va sûrement arriver dans le dos dans 3, 2, 1. Voilà, il est là. Morty qui se fait miss. Morty qui va mettre un hit peut-être. Non, la défense qui... Bah si, on met un quand même. Tai qui en met un en prime au passage. Putain, je vais louper un match DLCS. Fast recap, Gambi, ok, ok. Hop, j'ai mes infos. Et Morty qui passe à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Il faut mettre l'attaque maintenant, sinon après ça jouera la victoire de cette map pour les KFR. Et la décale au niveau du top qui ne passe pas. Très dur à voir ce top. Oups, Jester qui voit Morty lui faire un petit coucou. Ah, il se loupe la Jester sur le pad, c'est dommage. J'ai mis un hit quand même, un deuxième de la part de SPK. Et Morty qui essaye de faire la décale au niveau du top. Il va prendre le rail, mais il est sûrement descendu le joueur. On a vu une tête à droite. Oh, le coup de rail qui était tenté, c'est dommage, j'aurais pu. Et il décide de s'avancer et c'est mort. Morty qui prend le hit de la part des... Allez, Jester qui part à l'attaque. 8 à 6. Oh, Morty. Enfin. Ah, bordel, il s'est fait défoncer, le Morty. Allez, bim, taille aussi. Jester est pas content. Il a failli un truc tout à l'heure. Là, il se rattrape. Ah, il a pas fait un perfect en mettant 3 hits et en gardant ses 3 points de vie au passage. Il en reste plus que deux, attention, Torbi peut le faire, hein. Il y a le talent pour le bloquer. Va-t-il réussir? Il avait tellement dans le viseur là. Elle a décalé, le coup de rail qui passe à côté, Torbi qui mérite, Torbi qui en met un deuxième, oh my god. That match. Pfff, da fuck. Allez, Torbi qui part l'attaque, obligé de mettre son attaque, sinon son équipe perdra cette map. Allez, le petit wall jump qui va être fait pour essayer de décaler SPK. Encore un. Oh, il est monté direct. Même lui il est surpris d'être monté là. Le coup de rail qui passe pas. Estendu, Jester qui met une touche en plus, Platinity qui en met une. Oh là là, le coup de rail qui passe à 34 cm, pas loin du tout. Jester qui sûrement reparti au niveau du pad et là. Coucou. Ah non. Ah, oh, je suis déçu, Jester il me déçoit. Mais il met quand même la roquette. 9 à... Allez, Paladin, 2-4-13 pour peut-être finir ce match. Un mode, un futur mode de Shootmania. Shootmania SD. Eh, je vous spoil ou pas? Alors... Allez, on est parti. Les Blues qui défendent, KFR qui défendent, les Pingouins qui vont attaquer en premier avec Morty à l'attaque. Pour commencer, on va...
c'est bien tenté. Oh, c'est bien fait même, même s'il prend double hit. Instant de la part de SPK et Fraternity. Dans ces cas-là, faut faire attention, faut bien se rendre compte qu'on a pris deux hits. Il y a des moments où on s'en rend pas compte et on se fait punir directement. On dit ouais, on a deux hits, c'est bon, on en prendra un. Et au final, pas du tout. Et le petit wall jump pour venir tranquillement. Bon, il passe entre les roquettes. Un peu de réussite là, le joueur portugais. Le coup de rail qui passe pas. Il reste Jester et Fraternity contre Morty. Et Morty qui prend de la hauteur. Oh, c'est bien fait le move encore une fois. Le coup de rail qui passe pas. Oh, il essaye de trouver la décale. Le coup de rail encore une fois mis, ça pas grand chose. Il décide de y aller et prend la dernière roquette de la part de Fraternity. 1-0 pour les KFR qui assurent la première défaite. Allez, SPK qui part à l'attaque pour les KFR. On va voir comment cela va se passer. Oh, il va passer par le top à droite. Non. Ouais, elle monte le T. Et il va revenir. Et en mode décalage de Torbi. Il va décaler la grille. Ah, il aurait pu tellement aller la chercher la grille. Dommage. Non, les roquettes qui passent pas très loin, la décale au niveau de la grille, le coup de rail qui passe pas, mais ça à 12 cm. Le 2. Oh là là, Taï qui met directement triple hit. Bien joué de la part des pingouins. Bah surtout du pingouin. Le pingouin Taï. Oh putain. Allez Taï qui part à l'attaque, le coup de rail qui est déoupé au niveau de la grille, il prend un deuxième hit de la part d'SPK après celui de Jester. Taï qui se loupe au niveau de la grille, il est un tout petit peu trop tard, trop tôt plutôt. Allez, va le retenter là. C'est bien anticipé par les défenseurs. Et voilà, c'est terminé. SPK qui finit le travail 2 à 1 pour les KFR. Comme le score des maps de 1. Allez, Jester qui part à l'attaque. Il va aller chercher la décale au niveau de la grille. Le coup de rail qui passe pas. Oh, c'est tendu. Et la décale, ça passe toujours pas. Torbi qui met un hit avec Morty. Jester qui décide de prendre de la hauteur, de revenir directement. Ah, il s'est loupé dans son move totalement même. Taï qui s'est pas fait avoir même s'il était très très mal placé. Et le spam rocket aura raison de Jester. Ah, et Torbi qui part à l'attaque maintenant pour les pingouins. Le petit wall jump. On va sûrement faire un petit wall jump pour essayer de décaler le joueur au niveau du bumper. Voilà, Jester qui a eu un peu chaud quand même. Le pré-shot, on sait jamais. Encore un. 50 cm. Et il va aller chercher la décale directement au niveau de la grille. Il passe par au-dessus. Mais derrière, il y a un joueur aussi. Oh là là, bien joué de la part des KFR. Fraternity qui a fait le move qu'il fallait. Il a fait peur à Torbi. Et Torbi, mais c'est chier dessus. Hein, comme Morty tout à l'heure. Ah, Morty tout à l'heure, il a chier pendant une heure. Quoi, mais c'est pas pareil. 3-2. Franchement, moi je voudrais bien que les KFR gagnent. Parce que déjà, c'est des Français. Même si Fraternity a le drapeau allemand, il est d'origine française et maintenant vit en Allemagne. Et parce que j'en peux plus. Fraternity qui attaque, Torbi qui met la première roquette au niveau de l'escalier gauche. Quand c'est le roquette, il n'a pas pu se faire comme il n'y avait plus de rail. Le joueur des KFR. Et Taï qui met le dernier Taï.
Allez, Morty qui va chercher la décale au niveau de la grille. Le kill qui est fait. Il repart directement. Oh, le coup de rail mis à 36 cm. Alors que c'était un pré-shot. Hein. Il tire au rail au cas où. Le mec est là, il décale. Bim, voilà quoi, c'est la mort. Et la décale en pré-shot au niveau du bol. Ça passe sur Platernity. Morty qui se retrouve en 1v2 maintenant avec 2 points d'armure. En 1v1 maintenant avec 2 points d'armure. Il laisse tirer les roquettes, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, il n'y en a plus que 3. Et il fait le kill. 4 à 3. Putain de merde. Bon, pas grave. Voilà pourquoi je pense au pire. Voilà. Voilà. Pourquoi j'en peux plus. On rappelle hein, la finale de la Crazy Cup numéro 2. Le gagnant de ce match repartira avec 90 euros. Et le deuxième repartira avec le droit d'être deuxième. C'est déjà bien. C'est un bon prix. Allez, SPK qui va aller chercher la DK. Le coup de reste sur Morty qui passe pas. Oh, sur Torbine en pu. SPK qui va aller chercher peut-être après taille de mouvement rapide. Oh, taille et Morty qui met un hit 5-1. Et le dernier hit. De la part de Torbimolti. Allez, trop fort. Là, encore une fois. Taille qui va passer par la gauche de la map. Un petit wall jump. Faire l'amour aux arbres, c'est bien. Voilà, Taille le montre. Il est passé par la jungle. Et il va prendre de la hauteur en même temps sur le PQ. Et non, maintenant tu peux plus. Et Taille qui fonce directement à gauche. Ouh, la roquette qui est pas passée loin. La décale sur Platinity, ça passe pas. Et bon, n'oubliez pas, la Paladin 2013, c'est pas du tout la même. Et Taille, le coup de rail qui est fait de la part de Taille sur Platinity. 5 à 3. Pour eux, peut-être le sixième point. Alors, le coup de rail qui tombe au pied d'SPK. SPK qui met une touche, mais qui tombe juste derrière. Il reste plus que Jester. Jester qui met une touche en pré-shot. Avec un très beau pré-shot. Et le kill qui est fait. 6 à 3. Putain, prime. Putain, prime. Allez, Jester qui va mettre son attaque. Il s'avance tranquillement au niveau du middle. Oh, le petit saut. Le petit wall jump. Le petit coup de rail qui passe pas loin. Oh, les roquettes non plus. Oh là 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 là. Comme une balle. Non. Oh non. Oh non. Si t'es calme depuis tout à l'heure, tu vas appeler les malheurs du chat Twitch maintenant. Et Jester qui fait le kill. Qui a pris un hit de la part. Qui fait le kill sur Torbi. Il a pris un hit de la part de Morty. Et le petit wall jump, un peu loupé. Le petit saut. Oh, Taille qui s'est fait défoncer. Jester qui se retrouve en 1v2 maintenant. 1v1 maintenant avec 2 points d'armure. Le kill qui est fait sur Morty. Comme tu peux dire, il met Jester le cher. Allez, allez. Torbi part à l'attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Conrad qui passe pas. Ah non, rien. Et toi, j'ai même pas pensé depuis. Comme ça. Et Torbi qui prend un peu le fuego là, qui a pris 2 hits. Platinity SPK. Et ça va aller chercher la décale. Non, il sait qu'il est dans le caca. Il va prendre vraiment le bumper lui. Il va essayer d'arriver le plus possible au niveau du pôle. Mais il a attendu. Hein. Ah, il n'y a pas de vitesse en plus. Et ça va voir. Allez, Platinity qui part à l'attaque. Non, qui part pas à l'attaque, qui va mettre son attaque déjà.
la Ternatique s'avance tranquillement. Il va prendre le bain pour. Il va tomber à côté du pont. Ah non. La décale sur Torbi, mauvais côté. Dommage. Ouf. La roquette, elle a pas été loin du bon côté, par contre. Et la décale. Oh là là, le kill sur Tai. Très bien joué, Mortier qui prend la part. Oh. Il est sérieux. Il a pris la place et il l'a défoncé. Oh my god. Zai, 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 zai. Allez, Morty qui part à l'attaque, il va aller chercher directement la décale sur SPK, et bah il y aura pas le temps, il prend double hit, et Jester qui met le dernier. 6 à 7. Bordel. Allez. Il est sérieux là. Pendant 2 secondes l'autre écran, il met un 78 mètres à Morty et à Torbi le défaut. Oh. Mais il est sérieux. J'ai même pas vu le truc hein. Je vous promets. Je regarde loin l'écran, j'ai rien vu. Oh my god. Oh bordel. Bottle. Ok. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, t'as envie. Allez, Tai qui attaque. On va voir comment ça va se passer pour lui. Il prend une première roquette. Ça passe à côté là. Bon, il arrive à partir. Bon, il prend pas d'autres roquettes. Il s'en sort bien. Il n'a pris qu'une pour l'instant. La deuxième. Et la troisième, normalement, qui va arriver en 3, 2, 1. Bonne année. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et Minatal, j'en reviens même pas. Je l'ai pas vu. J'ai vu que le dernier kill, mais voilà quoi, les autres ils devaient être horribles. Eh, Jester qui attaque, 8 à 7, s'il met son attaque, il gagne et ils gagneront ce match. Le premier kill qui a été fait. Il m'énerve, Morty. Morty, il mérite des bifles. Des baffes. Des baffes. Allez, Torbi qui attaque. Il passe par le taupe. Et va chercher les décales directement sur Jester qui est au niveau de la hauteur là. Coup de rail qui passe pas. La décale peut-être sur SPK. SPK qui met directement le premier hit. Jester qui essaye de déconcentrer au maximum le Torbi. Et la décale, Jester, non, SPK qui tombe, la Ternatique qui met une roquette juste derrière. Le petit wall jump, oh, c'est dommage, j'ai tiré un tout petit peu trop bas. Le joueur des pingouins. Et la décale au niveau du pôle. Oh, le coup de rail qui passe pas. Et le hit de Jester qui passe. 9 à 8, peut-être le dernier round. Arrête, arrête, Connu. C'était pour une LAN, je crois, Livzo. Je sais pas, il parle. C'est pour une LAN. Alors, je pourrais pas te dire, mais là, Torbi a vraiment remplacé le game. Ça, je sais pas pourquoi. Et la décale au niveau de la grille, le coup de rail qui est passé, qui est pas passé. Platernity qui va essayer de mettre son attaque. Passe pas, allez la décale, non on pue. Tai qui met double hit là, le cancel rocket, le tir sur Tai qui passe pas.
Et Morty qui finit le travail. Neuf à neuf. Morty qui part à l'attaque. Allez, il prend de la hauteur. Il tombe comme une cacahuète. Morty qui va essayer de faire la décale sur SP en pré-shot. C'était bien tenté, mais ça ne passera pas. Ouais, là il y va. Le kill qui est fait directement sur SP Cop. L'Eternity qui ajoute une roquette au passage. L'Eternity qui en met une deuxième, peut-être la troisième maintenant. Ouais, pas dû passer loin. Allez, Morty qui décide de passer au niveau du pad. Et il va prendre de la hauteur, la décale en pré-shot au niveau du pôle. Il n'y a personne. Allez, il décide d'y aller. Le coup de rail qui passe sur Platinity, le 1v1 maintenant contre Jester. Jester très mal placé, ça capte le pas. Les noms, 98%. Oh my god. What is the fuck? What the fuck, il est revenu à une vitesse de ouf. Allez, SPK qui attaque, qui décide de passer directement par la jungle. On rappelle, hein, 2-1 pour les KFR, 10 à 9 pour eux là. Gagnant 90 euros, deuxième. Le plaisir d'être deuxième. Allez, SPK qui garde la ligne. Coup de rail en pré-shot qui a été tenté, mais ça passe pas. Deux joueurs au niveau de la gauche, il préfère prendre de côté. Belle roquette en pré-shot de la part de Morty. Morty qui a pas peur du tout. Hein. La décale au niveau de la grille. Tai qui joue bien avec. Dans le tour, il y a quelqu'un qui arrive, je crois. Des roquettes de Morty. Tai qui tombe. Morty qui prend directement la place de Tai. Ouais, il va pas avoir le temps de jouer beaucoup avec la SPK. SPK qui se loupe. SPK qui essaie d'avancer. Et Torbi qui le stop. Bordel. Mario Brander. Allez, Tai qui part là. On peut plus comme ça, Tai, je t'ai dit. Allez, Tai qui passe au niveau de l'arche. La décale. Un coup d'œil qui passe à côté. Dommage, là, au final il retourne à la case départ, on peut dire. Il avance directement au niveau de la droite. Il se met au niveau des arches. SPK pas très bien placé, qui va pouvoir revenir. Ouais, SPK, voilà, il va revenir maintenant. Jester et Platernity au niveau du pôle. Platernity qui met le deuxième hit plutôt. Et le troisième hit de la part de Jester. À 10. On parle de combien on va aller. Tout à l'heure on a eu du 15-14, du 14-12. Alors voilà quoi, ça m'étonnerait plus. On rappelle que la limite est à 15. Et Jester qui passe par la gauche. Le coup de raid qui passe pas, la décale. Oh là là, ça passe là directement sur Torbi. Et Morty qui était venu aider, au final il change de côté. Jester qui va essayer peut-être d'intercepter le. Ah ouais, cette fois-ci il n'a pas pris le bumper. On repart vers la gauche, Jester. Le petit wall jump. Oh c'est dommage, 9 cm de Morty là. A pas grand chose. Le petit bumper, la décale sur Tai peut-être. Non, il décide de revenir en arrière. Le kill sur Tai qui est fait quand même. Le 1v1 maintenant pour Jester avec 3 points d'armure. Peut-être le dernier round. Et le coup d'œil qui nous paie le premier hit de la part de Morty. Oh, ça cap. Il a plus de time. Il a plus de time. Oh putain. I shot, you died. Torbi qui part à l'attaque pour les pingouins. Avancer tranquillement au niveau de la jungle.
Allez, le petit wall jump. Voilà, il a compris, Torbi. C'est comme ça qu'on fait. La décale peut-être, non. SPK toujours au niveau de la grille. Il va être pris à partie. Ça essaye de le brain. Le coup de rail qui est loupé. Il prend pas de jit au passage. On sort très bien. Et Torbi qui mise le coup de rail à 50 cm de SPK. 11 partout. Oh là là là. Et oh, le kill qui est fait sur Jester, le 1v2 maintenant. Le kill qui est fait maintenant sur SPK, le 1v1 contre Platernity. Platernity qui met deuxième. Et il met pas le troisième. 12 à 11. L'avantage est pris par les pingouins. On rappelle, 2 maps à 1 pour. 2 maps à 1 pour les KFR. Ouais, il marche bien. Info, oui, il y a un VPN qui est sorti pour les gens de Free. Ils peuvent regarder YouTube et Free sans problème maintenant. Alors, voilà. Allez, Platernity qui met premier kill. J'aurais pas dû faire ça. Allez, Platernity qui va prendre le bumper. Le coup de rail qui passe juste à côté à 47 cm. Et la décale peut-être, non. Hey, Platernity qui met le kill. 12 à 11, on le rappelle, obligé de mettre son attaque pour rester à égalité. 1v2, 2 points d'armure et le 2. Ils sont venus. J'en ai marre. La deuxième map, 2 maps partout. La dernière map sera la bonne. Oh, j'en peux plus. Oh bordel. Ouais, alors deux maps à 2. Dernière map. Je t'avais dit quoi, Jokaïu? Ça va finir à 19h45. Tu vas voir. Tu vas voir. Ça va être sûr et certain. Je me demande s'il est possible d'avoir un petit break. J'arrive. Oh! Casse quand même. Ok.
Ah, les joueurs ils vont t'en vouloir. Ouais, bah j'ai pas d'autres retours mode pour le. Ah, ça derrière, bah pas. Deux. Personne qui va répondre. Non, mais 99, c'est bon, je vais pas les regarder jouer toute la nuit non plus. Ah bah. Ils se sont mis d'accord. Bon, on verra, de toute façon ça m'étonnerait. Bah, ah non, pourquoi j'ai demandé ça alors qu'on est sur Iron Fist? Pourquoi? Je suis con. T'as demandé quoi? Bah, on est. La map c'est Iron Fist. Pour info, je parle pas tout seul, hein, vous l'entendez pas, mais il y a quelqu'un. Ah, c'est bon, je me suis démuté, je vais arrêter de faire l'associable. Voilà. Iron Fist c'est une map qui est gavée dure à attaquer. Alors, voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Allez, SPK qui part à l'attaque pour les KFR. Alors, KFR, SPK, la décale sur Torbi qui passe pas. On est sur Iron Fist, une défense classique pour les pingouins. Alors la décale qui va être faite au niveau du grillage, très bien fait de la part d'SPK qui fait le kill directement sur taille. Le 1v2 maintenant avec 3 points d'armure pour SPK. La décale au niveau du grillage, non. Torbi qui ne se fait pas avoir. Le kill qui est fait maintenant sur Morty, le 1v1, Torbi ou SPK, ben SPK. Ouais, l'overlay qui a pas été changé, Jack. Le quoi? L'overlay. La scène si tu préfères. Ah. Désolé. Oh! That room! Oh. Allez, Jester qui passe à l'attaque. Ah, j'en ai eu 3 aujourd'hui, top fail. Je suis content quand même. Allez, Jester. Prend le hit de Morty pour commencer. Il est en 1v2. L'avantage qui a été pris directement par les KFR. Hein. 2-0 pour eux sur cette map. Et là, Taï et Morty qui mettent les deux derniers. On rappelle la dernière map de cette finale de la Quizy Cup 2. 90€ pour le gagnant. Le deuxième a le droit d'être deuxième. C'est déjà un très gros prix. Vu le match qui sortent les joueurs. Hein. Ah, le perdant il va être tellement dégoûté, le gagnant il va être tellement content. Bordel. Ça c'est des matchs où tu sors, tu dois. Voilà quoi. Ok. Taï qui attaque se fait stop. 2 hits d'SPK, 1 de Platinity. Allez, Platinity qui attaque. Il passe tranquillement vers la droite. Platinity qui au final descend, il tente le wall jump mais il a été entendu par Taï il me semble qui est là, oui c'est ça Taï. Je peux pas avoir, ah c'est dommage, j'ai bien tenté Platinity. Oh non c'était Morty qui est tombé comme une cacahuète, il va devoir remonter. Ah Torbi, je sais pas avoir, Morty qui en profite pour remonter. Oh là là, c'était tendu, c'était très tendu. Allez, taille au niveau de la grille, le coup de rail qui passe pas, le premier hit de la part de Morty. 1v3 avec 2 points d'armure pour Platinity, ça va être très dur, il n'y a plus beaucoup de time, le kill qui est fait, il prend la deuxième hit. Aïe, Torbi qui met le dernier, 3-2 pour les KFR, toujours l'avantage d'une petite attaque. I shot, you died. I shot. You die, tu tires, t'es mort. Un peu le truc de Shootmania, quand tu fais l'en-attaque, t'es au contact, t'es mort. Et voilà. Allez, Torbi qui ne fait pas le kill sur SPK, il va tenter la décale sur le joueur au top. Non, il décide de prendre Platinity en cible, le coup de rail à 3 cm. La décale au niveau du grillage, double hit là de la part de défense, triple hit. Un hit de chaque joueur, très rapide. Très.
Et on perd maintenant avec SPK à l'attaque, le deuxième tour d'attaque. Et on... La question, est-ce qu'il va en mettre une autre? Eh, la décale qui va être cherchée, le coup de rail qui a été loupé. Et le petit saut peut-être, il va essayer de brouiller les pistes, hein. Il va faire croire qu'il passe de côté. Au final il a été vu, la décale se retaille, hein, le coup de rail qui est loupé. Torbi qui arrive dans le dos, qui met une roquette, Taï qui tombe derrière Torbi. Qui va devoir se replacer avec Morty tranquillement, hein, au niveau du pod, hein, au niveau du cirque normalement, voilà. Totalement ça, une belle roquette de la part de Torbi et la dernière de la part de Morty. 4 à 3 pour les KFR, toujours l'avantage de la petite attaque. Morty, cette fois-ci, il attend, il a failli en prendre encore une en plein front. Il s'est fait défoncer, il a fait gaffe. Chercher la décale, le kill qui a été fait de la part de Morty sur Platernity. Morty qui ne fait pas le kill. Allez, ça va aller chercher la décale. Oh là là, c'est bien fait, le petit plan avec la stamina. SPK qui tombe, il reste plus que Jester. Jester en 1v1 avec 3 points d'armure pour Morty. Morty qui va essayer de revenir à égalité au niveau des attaques maintenant. Allez, c'est parti. Le coup de raid qui est loupé, mais comment ça capte le pal. Il fait un petit ball dance et ça passe. Égalité. Égalité. Ouais, Jester qui part à l'attaque maintenant. Pour les KFR. Le kill sans Morty qui passe pas. Jester qui va essayer. Qui voulait attraper Torbi au final. Il a attrapé la roquette à Morty. Morty qui se fait éliminer juste derrière. Oh, c'est dommage là, c'était bien tenté. Mais Taï de toute manière était derrière la grille. La décale en mode rapide sur Taï. Oh là là, ça loupe pas grand chose. Taï qui vient au contact. Oui, il est tombé comme une cacahuète, il va devoir remonter, il remonte directement, il met une roquette en plus à Jester, le 1v2 avec un poil d'armure, le coup d'ail entre eux, le cercle qui ne passe pas. Et le capol est possible maintenant. Taï qui se fait pas avoir. Et la dernière roquette de la part de Taï. 4 à 5. Taï fois 10 fois 2. Allez, Taï qui attaque. Wouh, passe entre les deux roquettes. Taï qui va chercher directement la décale. Pouf, sur Platernity qui met double hit mais qui tombe comme une casse-casouette. Et Platernity qui vient en contact. Et le... Oh, non, Platernity qui tombe finalement, Taï. Qui a fait le frag. Oh là là, SPK qui se sauve la vie avec un petit rocket jump. La décale au niveau d'SPK, au niveau du 2000 pour le kill qui est fait. Peut-être l'erreur des KFR là. La décale au niveau du pod qui ne passe pas. Jester qui se retrouve en 1v1 avec un point d'armure. Ah, pompon, il le repousse. Il revient au niveau du middle tie. Et la décale et le kill qui est fait. Non, une heure la cape. Bah, t'inquiète, hein. Moi j'étais là et je suis encore là. Et il y a des gens en Platernity qui attaque. On va voir comment ça va se passer. Le coup de raid qui passe pas. Et la décale au niveau du demi-pont peut-être. Non. Passe pas non plus, la décale encore sur Morty. Oh, il joue bien là, il se cache totalement. Le petit one jump pour remonter, la décale au niveau de Taï. Taï qui se fait pas avoir, il a pris une touche de la part de Morty. La Platernity, le 2v1, le 3v1, le kill sur Torbi. Bah voilà, le 2v1, je l'avais dit. Allez, le
La victoire de Platinity, on va voir si ça marche. Et la décale, oh bah non, ça marche pas très bien. Tai qui prend une roquette, qui met une roquette et qui met la dernière. 4 à 7, les... Oh là là, les... je vais pas y arriver. Les pingouins qui sont pas loin de gagner ce match. En plus, Stormy met son attaque. Et il s'avance tranquillement après des petits cancels roquettes, la décale sur Jester qui ne passe pas. Allez, Dorby. Il cherche la décale au niveau du demi-pont. Le kill peut-être sur SPK. Le coup de rail qui passe à côté. Eternity qui joue safe là maintenant. Ouh, attention. La décale sur SPK qui passe. Et après une touche quand même Torbi. Jester qui tombe aussi. Platernity qui revient au niveau du pôle. Et le kill qui est mis. Belle attaque du jeune joueur portugais. On part sur des balles de match pour les pingouins. Ah là là, pour les KFR, ça serait dommage de perdre maintenant. Faut se réveiller, mettre des attaques. Oh là là, ça part mal. Morty qui met directement. Vite à 4, le coup de rail sur Morty qui ne passe pas non plus. Ah là là, les KFR qui sont en train de lâcher la fin du match, c'est dommage. Allez, SPK, faut le faire, SPK. Allez, les décales. Super, voilà, c'est la fin pour SPK. Oh, en plus, il lui court dessus. Voilà. Ah, dommage, 9 à 4. Une belle finale. Les 4 finales au final perdent cette finale 9 à 4, 2, 3 maps à 2. Un énorme match quand même.